J'espère que vous allez bien, nous ça va. Eliora et moi on est prêtes. Il n'y a que Papa Loïs, le résistant là, qui ne peut pas se lever. Mais il faut aller prendre le petit déj. Il faut qu'il aille se laver et qu'il nous rejoigne au petit déj. Du coup il dit mais il faut me faire des câlins et des bisous. Eliora est en train de lui faire des câlins et des bisous, il veut pas. Il est... Même ici il arrive à mettre ses chaussures au milieu. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour le petit déjeuner. Petit restaurant, du déjeuner. Allez, viens mon amour qui est avec l'hôtel. Et il y a plein de choses. Regarde, il y a des petites tortillas, des petites saucisses. Ah, regarde, il y a ça là. Bon, je crois qu'Eliora va se régaler. Alors, qu'est-ce que t'as dans ton assiette, mon amour? Des petits croissants au chocolat, les galettes de pommes de terre, les petites saucisses. C'est toujours une petite saucisse. T'en as déjà mangé une? Oui. C'était bon? Et ça c'est quoi ça? Ça c'est une gâteau. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est un pancake avec un topping à la fraise. Oui. Alors moi j'ai pris de la tortilla, du saumon, pareil un petit pancake au cas où, et un pain perdu comme ça avec un café. Je crois que nous avons ici un spécimen de petite fille particulièrement heureuse. Pour une fois que nous sommes en avance, on est détente dans l'entrée, on attend. Je sais pas si en fait j'ai pas réussi à comprendre si on était plusieurs ou pas, mais j'ai l'impression qu'on est tout un groupe d'influenceurs, je pense. Parce qu'il y a toute une délégation de gens de l'événementiel de Port Aventura. Vous inquiétez pas, je vais trouver mes mots. Ce matin je ne trouvais plus le mot pulpe. C'est ce que c'est que la pulpe, Eliora? C'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le jus d'orange. Loïs, il m'a dit qu'il prenait un risque. De folie. Il a mis des chaussures sans chaussettes. J'aurai des ampoules ou pas ce soir, chérie? Elle a dit oui, Ellie. Maya et on attend, je vous mets ça un peu, et on attend pour pouvoir participer, pour pouvoir découvrir le spectacle de la lancée de Tadeusz, comme ils disent ici. On va bien voir, apparemment c'est un super spectacle. Allez, Carles! Comment ça? Mais tu vas le voir en espagnol, hein? Non, c'est le film de Tad. Oh,
Bon, on a fait deux petits achats. Loïs avait besoin d'un short où il allait être plus à l'aise parce qu'il fait extrêmement chaud. Montre-nous ton super short. Attends, c'est un short Port Aventura. Et Eliora. Non mais Eliora, ça lui va trop bien. Il lui fallait un chapeau. Regardez, regarde comme elle est trop belle comme ça. C'est la classe Adala, chérie. C'est belle. Eliora, elle est contente. Elle va faire les autotamponneuses. Tu vas y aller toute seule, chérie. Hein. Allez, vas-y. Alors, du coup, comme j'ai oublié sa casquette, je lui ai pris un petit chapeau comme ça. Je suis trop contente, il lui va tellement bien, les gars. Vous savez pas comment il va bien. Là, on est dans on est à la Hacienda. Je sais pas si vous allez m'entendre à cause de la musique, c'est super joli, on est dehors. Et Eliora, elle pense qu'on mange dans le pays de Coco. Chérie, on est dans le pays de Coco? Et elle est en train de faire des coloriages, c'est trop cool. Je vous dis qu'il n'y a pas que la poussette qui m'a roulé tout à l'heure. Hein. Bon alors, elle est comment cette viande? Elle est bonne? Si tu la fais, j'ai dû investir dans une casquette parce que j'ai évidemment oublié la mienne à l'hôtel qui est assez loin de là où on est. Donc on n'allait pas perdre du temps pour aller chercher une casquette. Ah, va dans la poussette si tu veux pas marcher. Hop, dans la poussette. Eliora, ça y est, elle veut plus marcher. Allez, viens voir papa. Et là, on va aller prendre un train pour aller dans le monde d'Elmo. Je sais plus trop comment ça s'appelle. C'est là où il y a tous les trucs pour les enfants. Du coup, elle va pouvoir s'amuser et on a même trouvé un plan. Alors par contre j'ai une tête à chapeau mais pas du tout une tête à casquette, enfin, ça ne me va pas, j'ai pris la version grise. Et une tête à claque? Non, non plus. On regarde même plus, j'ai pris la version grise à paillettes, les gars, je suis sponsor par Port Aventura maintenant. Dans la partie où il n'y a que les trucs pour les enfants et que moi je fais pas les manèges à sensations et qu'il a trop envie de les faire, donc je pense qu'on se refera un truc avec des potes. Il ira avec des potes. Maxime, si tu me regardes, je t'emmène là chez toi. Voilà, Maxou et Jenna ils viendront avec nous. Avec Jenna on fera les piscines, les trucs pour les gamins et eux ils iront faire les trucs à sensations. C'est plus possible. Regarde, ça va grimper. Non, mais c'est trop cool, regarde, c'est trop cool pour eux. Regarde le sourire qu'elle a, regarde le sourire qu'elle a. Allez, venez. Eliora! Wow! Oh, la sensation de ouf! Name and how I wanna fill my whole world with you and no one else.
on se dirige maintenant vers Ferrari Land. On s'est pris une bonne petite granizade là parce que il fait vraiment très très chaud. Donc c'est parti maintenant pour les grands manèges. Oui, tu es très beau, chérie. Il est donc 19h30. Il n'y avait plus de batterie dans l'appareil, du coup j'ai filmé un peu avec mon téléphone. Mais genre, je vous ai pas dit qu'on était revenu à la chambre, on est revenu se poser. Les attitudes, du coup, elles se remontent. Ouais. On est rentré vers 6h dans la chambre, même pas. Ouais, vers 6h si. On est rentré se reposer vers 6h parce qu'on a fait que marcher, on avait les pieds en feu et tout. Ah ouais, on est au top. Mais là du coup on s'est bien posé, voilà, on s'est reposé, il y aura aussi, elle en avait besoin. Et on va dîner, voilà. Pour Ellie, c'est croquetas, frites et maïs. Et c'est comment le maïs? C'est bon le maïs? C'est les croquetas. Papa Loïs en entrée, il a pris des huevos fritos, des œufs frits, mais ils lui ont mis avec des frites, du jambon ibérique. C'est des malades. C'est bon au moins? Oui, c'est bon, mais c'est un plat. Ouais, c'est l'entrée. Bah, tu vas pas tout manger. Hein. Ah, et oui, regarde le match. Ouais. Dans un endroit très glace. Je vous ai pas montré ça, c'est magnifique. Regardez comme c'est beau, c'est splendide. Et moi, comme d'hab, en Espagne, je mange du pan con tomate. Je me suis pris un petit bœuf tranquillou pour le plat. Et papa Loïs, fait voir un petit peu ton burger là. Il a l'air sympathique. Hein. Il y a quoi dedans? De la viande, du bacon. Le pain, il est moelleux. Hein. Ouais. Avec des petites potatoes. Oh, Dana, il y aura ton maïs comme ça. Regarde, il y aura. Tu veux le maïs comme ça? Regardez ses yeux, c'est en... À chaque fois qu'elle voit dans l'imagerie, elle me dit je veux du maïs comme ça, c'est chaud, hein. Souffle et tu croques dedans. En pyjama, elle est dans son lit bébé et moi je vais. Loïs est en train de finir sa clope en bas, elle est sortie de son lit bébé, tout va bien. Et moi je vais maintenant monter le vlog, du coup je vais clôturer. C'était une journée géniale, franchement on a passé de super moments. Moi je vous recommande quand même d'attendre que les enfants fassent au moins un mètre
Parce qu'en fait, en dessous d'un mètre, il n'y a pas énormément de... Enfin, en dessous de 90 cm, en tout cas, il n'y a pas énormément d'attractions qu'ils peuvent faire. Et demain, on va à Caribbean Land. On va faire toute la partie aquatique. On va la faire... Je sais pas combien de temps on va rester. Les lumières. Je sais pas combien de temps on va rester là-bas, mais j'espère qu'on va rester un max, parce que normalement, on a le déj. On va déj où ? On va déj dans un autre restaurant. En fait, ils nous ont donné un planning et on a des trucs quand même à faire qui nous demandent de faire. Je suis pas sûre que ce soit obligatoire, mais après, c'est quand même cool de faire ce qu'ils nous demandent de faire. Donc, on va déj là-bas et au pire, on fera une pause et on y retournera, sachant qu'on aura déjà rendu toutes les affaires à l'hôtel et qu'on doit revenir à l'hôtel à 17h pour le transfert jusqu'à l'aéroport. Bon, et bien, j'espère que cette journée avec nous vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bye bye!